Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouveau unboxing Cider. Oui, de nouveau, une nouvelle commande chez Cider avec cette fois-ci des combis, un body et deux pantalons si je me rappelle bien. Et je pense que je n'ai pas pris de taille, donc c'est au petit bonheur la chance cette fois-ci. Comme d'habitude, c'est une vidéo d'ouverture de colis, donc on sait quand ça commence, on ne sait pas quand c'est fini. Et si vous voulez passer certains moments, je vous invite à regarder dans le chapitrage que j'ai fait dans la description pour arriver à certains moments de la vidéo. Je vais ouvrir le colis, il est fermé complètement. Ensuite, je vais essayer chaque vêtement et je vais vous donner mes premières impressions sur le vêtement, on va voir si ça me va ou si ça me va pas. Et puis on terminera par une conclusion générale de cette commande. C'est parti, on va ouvrir. Alors c'est un paquet quand même assez lourd, voilà. Je vous montre du coup rapidement ce que j'ai pris. Elle est lourde, hein. Alors, des autocollants, un body jaune. J'adore les bodys, hein. Moi j'en porte beaucoup beaucoup. Ça c'est un pantalon. Merde, c'est du lin. Je pensais pas que c'était du lin. Ça ressemble à du lin. Et je pensais qu'il était blanc. Moi, je voulais le blanc, pas crème. Une combi. Mais je l'ai reçu un peu trop tard parce que maintenant, enfin, ça caille, quoi. Donc, c'est une combi bretelle. Donc, ça, je vais pas garder, je pense. Ça, c'est une autre combi. Et il me semble que c'est la combi que j'avais vue en publicité sur Facebook. Ça, je sais pas, un pantalon, je crois, un jeans. Ça, c'est une combi aussi, je pense, ou une robe, je sais pas. On va savoir. Et ça, c'est un pantalon rouge. Voilà, je voulais absolument du rouge. J'ai plein de rouge dans ma garde-robe, mais j'aime le rouge. Il faut encore plus de rouge, toujours plus de rouge avec moi. Donc voilà. On va maintenant passer aux essayages. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais d'abord mettre les pantalons, comme ça je ne retire pas mon haut tout de suite. Je vais tourner la caméra et du coup ben, je vais essayer tous les vêtements. Alors on va commencer avec le pantalon, mais enfin, le temps il a changé trop vite. La semaine passée il faisait 25 et aujourd'hui quand je suis partie au matin il faisait 7 degrés. Le maximum dans la journée c'était 14 degrés. Mais what the fuck, ça a changé vraiment du tout au tout. Et du coup, ben, les vêtements que j'avais pris, c'est plutôt des vêtements d'été. Il est super fin, en fait, ce pantalon. C'est pas du lin, c'est du polyester, mais ça ressemble, tu vois. Je sais pas si tu verras comme ça. En fait, même à travers, moi, je vois, tu vois, il est vraiment fin. Voilà, mais il va aller parce que il y a... Ah, il y a des petits fils. Il y a un élastique à l'arrière, mais voilà. Je vais essayer, mais c'est déjà... Enfin, c'est plus le temps pour porter ça, quoi. Enfin, je n'ai pas regardé la taille, je vous dis ça après, mais je le sens trop grand. Je vais mettre mon t-shirt dedans. Non, ça va. Est-ce qu'il y a des passants? Non, j'aime pas quand il n'y a pas de passants. J'aime bien les petites pinces là. Bon, il est chiffonné. Est-ce que vous voyez? Est-ce que... Qu'est-ce que vous en dites? Il y a des poches, c'est bien. Non, il est très très agréable. Il est trop long, je dirais 10. Je sais pas, 10 environ. Il est vraiment très très bien, je trouve. J'ai pas la taille, je vais regarder après, je vous dirai, mais il est très bien. Le souci c'est que comme je disais, là on est en automne et il est vraiment très très fin. Je sais pas si ça vaut le coup de le garder du coup, tu vois. Je sais pas. En tout cas, il est très bien. C'est vraiment des jambes hyper larges, hein. Genre très très large, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très très beau. À repasser, c'est vraiment le truc qui m'ennuie aussi parce que moi je repasse pas. Je suis en pleine hésitation. Mais je vais essayer l'autre pantalon, je sais pas s'il y a plusieurs pantalons, je vais essayer le crème du coup. Alors, le crème, il est plus épais, mais il reste fin quand même. Mais il est plus épais, c'est marrant, on dirait la même coupe. C'est pas la même, c'est le même, non? Eh, mais sérieux, il est plus épais que l'autre. Et en plus, il y a une petite ceinture dedans. Une ceinture marron kaki, je sais pas c'est quelle couleur. Je vais la déballer, on va voir. Mais le pantalon, il est plus épais car parce qu'il est plus lourd. Et c'est quelle taille? Cette fois, je regarde. C'est du 2. Et le rouge, c'était du combien? Le rouge, ah ouais, ça n'a rien à voir. L'autre, il est plus lourd, quoi.
Le rouge, c'était du 2. C'est la bonne taille, du coup. 2. Ça, c'est... ouais, il est lourd. C'est marrant, ça. Bon, des petits fils à droite à gauche, encore ici. On dirait la même coupe, mais celui-ci épais. Ça, c'est drôle, dit. Je vais essayer. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça fait pas bien blouser le truc, le t-shirt. Le t-shirt, il est vraiment trop grand. Je vous l'avais déjà montré. Il s'est détendu d'une force. Mais donc, voilà. Et niveau taille, on est nickel. Nickel, vraiment. On est vraiment bien. Comme il faut. Il y a un élastique à l'arrière de nouveau. C'est vraiment le même genre de coupe col rouge, mais épais. Je préfère celui-là, je pense. Voilà. Jambes larges. Vraiment larges aussi. Il n'y a rien grand chose à dire. Il est beaucoup plus épais. Peut-être que c'est le même et qu'il est plus épais. Je vous montre bien. Parce qu'il est blanc. Enfin, il est crème. Et du coup, ils ont peut-être eu peur que ça soit trop transparent. Mais c'est vraiment... Ah oui, ici, il est dépassant. Voilà. C'est vraiment le même genre de coupe que le rouge, quoi. En fait, je préfère celui-ci, la matière. Je préfère quand c'est plus épais et tout. Mais je préfère la couleur du rouge. Et la ceinture, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Alors la ceinture. Est-ce que je rentre dans cette ceinture? En tout cas, au niveau de la manière dont il taille celui-ci en 2XL, c'est nickel. Est-ce que cette ceinture me va? Sans la mettre dans les passants, est-ce que ça passe? Oui. Ouais, sans souci, quoi. Sans être dans les passants, voilà ce que ça donne. Bah, je l'avoue. Je préfère celui-là, mais en rouge. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je le garde ou pas. Je vais passer à la suite. Alors ici, c'est pas un jeans, mais c'est juste un pantalon bleu qui est extrêmement large. Mais genre, très, 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 très large. Vraiment très, très large. Je vais l'essayer, c'est plus de nouveau un truc d'automne, oui c'est vraiment plus automne. J'aime beaucoup les jambes larges, donc c'est ce que je cherche, mais est-ce que cette fois, ça sera pas trop large? Ouais non, celui-ci il taille différemment, il est trop grand. C'est du 2? C'est du 2, je vais vérifier. Hein. Ah ouais, non mais je le sens glisser parce qu'il est lourd en plus. Il est lourd, le tissu est lourd. J'aime pas du tout. Il est vraiment large de chez large. Il est beaucoup trop large. Ça fait une jupe culotte, quoi. De le taxi. J'ai la chanson dans la tête. Bon, ça m'a mis là. Ah non, mais je le sens glisser parce qu'il est trop lourd, en fait. J'ai des poches bien profondes, ça j'aime bien. Trop grand de 20 et des centimètres. Vraiment très très large, mais il est vraiment trop lourd. Je le sens glisser. Ça n'ira pas, je vais devoir le renvoyer. Bon, celui-ci, ça va pas. Ah, je vais tourner, comme ça, vous allez voir. Voilà ce que ça donne. Trop large, ça va pas. Je vais essayer, du coup, maintenant, il reste 3 combis. Je vais essayer la petite combi. Alors, j'ai pris une petite combi short. Combi short? Je sais plus. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est une combi short. Une combi short court, pas fan de la matière du tout. C'est de nouveau côtelé, je sais pas si vous allez voir. C'est de nouveau côtelé, mais le tissu est lourd. Je vais l'essayer. Bon, j'ai des chaussettes, ne faites pas attention. Et, allez, c'est trop. C'est vraiment... Bon, j'ai une brassière en tout, en plus j'ai remarqué qu'il y a une petite tache. J'aime pas du tout. Genre pas du tout. Bonne taille, je sais pas c'est quelle taille, j'ai pas fait attention, je verrai pas, je vous dis après. Mais j'aime pas du tout ce que ça donne. Si j'avais pas la brassière, ça ferait déjà ça. Bon, je suis en chaussette, hein, faites pas attention. J'aime pas du tout ça. Ça élargit à mort. Alors oui, je peux faire un nœud et faire comme ça. C'est horrible. Je déteste. Genre, je déteste. Il y a des poches profondes.
Non. C'est un nom, un grand nom. Je déteste. C'est non. C'est non, elle taille correctement, mais c'est vraiment pas une coupe pour moi qui me va. C'est horrible, horrible. Et elle taille grand. Regardez, de nouveau, j'ai ce problème-là ici. C'est très large. Je vais regarder la taille. Hein. Je la retire, je regarde la taille. Mais c'est non. Non, définitivement non. Donc en fait, elle est un peu grande, mais c'est normal, c'est du 3XL, donc c'est une taille en plus de ma taille habituelle. Cela dit, parfois, je prends du 3XL et ça me va. Ici, c'était trop grand au niveau de la poitrine, ici sur les côtés, ça se voit et c'est pour ça. C'est parce que c'est du 3XL. Voilà. À mon avis, le 2XL m'irait mieux, mais je déteste la coupe, donc c'est un grand non. Alors, vous avez sûrement vu cette combi sur des publicités Facebook et Instagram. C'est une combi qu'ils ont beaucoup mis en avant pendant le mois d'août, peut-être même le mois de juillet. Vous l'avez sûrement vu. Bon, de nouveau, je porte une brassière en dessous. Si j'avais pas de brassière, pardon, ça arrive, le décolleté est vraiment genre bas. J'ai des sous dans mon décolleté. Ça arrive vraiment, ah ouais, vraiment bas. Donc, le décolleté est selon moi trop grand. Est-ce que je remonte? C'est du 2XL celle-ci. Si je remonte ça. J'ai du mal à voir avec quel sous-type je pourrais le mettre. Alors, plusieurs choses. Les manches très très larges. Si je fais comme ça, c'est pas mieux. Pas fan, mais il me semble qu'elle peut se porter de différentes façons, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je fais quand c'est très large comme ça, je fais, tu peux mettre bêtement un ruban en fait, un petit ruban de la même couleur ou une autre couleur basique et tu fais comme ça. Moi, ça me va. Je noue et voilà, ça fait des bretelles fines. Voilà. Ça, donc, c'est assez gênant parce que ça descend. Là, il n'y a pas de souci, elle est hyper élastique, elle est extrêmement agréable, ça c'est vrai. Niveau des jambes. On est bon. On est bon. Poche profonde, dos, nickel. Jambes larges. Bon, 30 cm en trop. 20 cm en trop, facile. Mais bon, voilà. Elle me plaît, mais c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie, c'est pas une dinguerie. Mais elle me plaît. Donc, en faisant ça, je me sentirais mieux. Est-ce qu'elle pouvait pas se porter de différentes façons? Je ne sais plus. En tout cas, comme ça, elle va. Et effectivement, elle est vraiment très confortable. C'est plutôt un vêtement d'automne parce que clairement, le tissu est épais et il y a quand même un tombé assez lourd de nouveau. Donc, c'est plutôt, moi, je dirais un truc mi-saison ou quand il fait un peu froid, quoi, comme maintenant. Nickel. Ça va, je trouve. C'est pas un gros coup de cœur, mais elle fait l'affaire. Je trouve qu'elle est très bien pour aller travailler, par exemple. Et moi, maintenant, le critère poche, j'y fais hyper attention. Avant, je ne faisais pas aussi attention que maintenant. Tout simplement parce que j'ai acheté un casque. Il est là d'ailleurs. Un casque Bluetooth. Et que du coup, maintenant, mon smartphone, je dois bien le mettre quelque part. Avant, j'étais. Moi, j'ai toujours aimé les casques avec un fil. J'adore les fils. Et du coup, bah, au bout du fil, il y a le smartphone. Donc, je l'avais tout le temps en main. Maintenant plus, quasi plus, parce que j'ai plus de fil, donc j'ai plus besoin de le relier à mon smartphone. Et c'est pour ça que les vêtements avec poche profonde en plus, c'est devenu vraiment important pour moi parce que je sais que je peux mettre mon smartphone là quand j'ai mon casque. Et je vous promets, mais je ne sais pas combien d'heures vous écoutez de la musique par jour, mais moi, c'est hip. Enfin, j'ai constamment mon casque en fait. Donc pour moi, les poches, c'est vraiment un critère très important. Et ici, elles sont très bien. Voilà. Non, elle est bien cette combi. Je vais essayer la dernière combi. La dernière combi est plutôt une combi d'été aussi. Tu vois les petites les bretelles comme ça, nouées, des trucs comme ça. Non, ça c'est non à mon avis. Voilà, j'essaye. Alors de nouveau, faut pas faire attention. J'ai ma brassière en dessous, mais non, j'aime pas du tout. J'aime pas comme ça fait ici. Niveau du décolleté, bon, évidemment, là il y a la brassière, mais sinon c'est correct. Je trouve que ça donne correct. Ça ici, il y a deux bandes élastiques.
avec un élastique ici, un élastique là et un élastique là. Mais ça ne va pas très bien, je trouve. Je trouve pas ça très beau. Le tissu, c'est un tissu avec plein de pliures partout. Les poches sont là et profondes. La couleur, ça va. Les jambes sont larges. Le dos, bah, pff. De nouveau, il y a ça qui est gênant. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas. Je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Non, ça c'est non. J'aime pas comme ça donne. Ici, c'est vrai que c'est fort ouvert quand même. Voilà. Mais de face, ça va. Mais il y a quand même, c'est quand même fort ouvert. C'est pour une grosse poitrine. Je vais voir la taille que j'ai prise parce que là, c'est vraiment, mais c'est vraiment grand en fait. Hein. Je vais voir la taille. J'ai vu sur le CHS, c'est du 2XL, mais ça me semble bien grand pour du 2XL. Mais de toute façon, c'est non. Et pour finir, et le body, et figurez-vous que je ne sais pas comment le mettre. Je comprends pas comment il est fait. Ah, je comprends pas trop comment. Déjà, il ressemble à un maillot. Dans le sens où il est fait de spandex et de polyester, mais comment on le met? Écoutez, je ne sais pas comment il faut le mettre. Je ne sais pas du tout comment il faut le mettre. Pour moi, c'est de la merde. Je ne sais absolument pas comment le mettre. Il n'y a rien qui tient. En fait, il y a deux grandes bandes là. Là, pour moi, ça c'est le dos parce qu'il y a un élastique. What? Je suis dépitée. Je vais aller voir sur l'ordi, je reviens. Écoutez, j'ai été voir sur l'ordinateur la photo référence du produit sur le site de Cider. Et c'est comme ça. Ça ne ressemble à rien. Mais vraiment, c'est vraiment comme ça parce que j'ai vérifié. Donc à l'avant, c'est bien comme ça. Donc il faut tirer sur les bandes là. Les mettre comme ça, mais elles sont trop grandes. Et dans le dos, il y a effectivement la ligne, vous voyez, une ligne ici au milieu, qui remonte dans le dos, mais il n'y a pas, c'est pas aussi lâche. Je me demande si, en fait, il ne faut pas faire un petit pli. Mais dans tous les cas, mais c'est horrible. J'ai même pas envie de le fermer. Hein. Je ne le ferme pas. Il n'y a rien qui va. Hein. Mais what? C'est vraiment... C'est impossible à porter ce truc. Ça tiendra jamais. Mais c'est vraiment comme ça. J'ai été vérifiée sur le site. Hein. C'est horrible. Horrible. Je vais même pas le fermer. Je vous jure, je sais pas. Pff. Voilà. C'était donc un fail pour ce body. Mais j'en reviens pas. Hein. J'en reviens pas. Et c'est sur ce body immettable que je décide de vous faire la conclusion. Conclusion, c'est pas une commande dingue. Il y a des trucs qui sont très bien et des trucs qui sont moins bien, mais rien d'extraordinaire, je trouve. Clairement, il y a des trucs qui sont plus été qu'automne et vu le temps, ben, ça ne sert pas à grand chose, n'est-ce pas? Ce body, mais c'est une horreur. Je ne veux même plus revenir dessus. En gros, la combi Bordeaux est très bien. Je dois juste faire un petit truc au manche. Les pantalons, c'est bof bof. Le rouge est magnifique. Vraiment magnifique. Mais il est très fin. Quoi, le mettre avec un legging en dessous? Des collants en dessous? Je ne sais pas. Le crème est nettement plus adapté aux températures actuelles. Mais il est moins bien. Je trouve. Je pense que je vais garder quand même le rouge. Je ne sais pas. Je pense que je vais garder le rouge. La combi Bordeaux et tout le reste, je renvoie parce que ça ne va pas. Le pire pour moi, bon, c'est évidemment ça. Mais le deuxième pire, c'est le pantalon bleu qui a une coupe, je ne comprends pas. Voilà. Par contre, au niveau des tailles, on est bien mieux. Avec le 2XL cette fois-ci. Parfois c'est 3XL, parfois c'est 2XL.
Cette fois-ci, tout va en 2XL et le seul truc que j'ai pris en 3XL, effectivement, est un peu grand. Ça, c'est bon à savoir. Bon, je ne compte pas cette erreur. Mais en tout cas, les vêtements là de cette dernière commande taillent convenablement. Ce qui n'est pas toujours le cas chez Sider. Donc, ça mérite d'être remarqué. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur cette commande. Je trouve que les vêtements étaient sympas, mais sans plus, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre haul. Je ne sais pas de quoi. Voilà.